time. Hallelujah. 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 Oh, holy. Holy. You are holy. Holy. You are Lord God. Are you Lord God? Almighty. Almighty. Oh, what is the land? What is the land? Merci beaucoup. Prenez siège, s'il vous plaît. You may be seated, please. Alléluia. Nous voulons dire merci ce matin à notre Seigneur. We give thanks to the Lord this morning. Pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver ce matin devant sa sainte face. For the opportunity we have to get back before his face this morning. Que la gloire lui soit rendue à lui seul. May all the glory be given unto him alone. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier le Seigneur pour la vie de son serviteur. I'd like to take this opportunity to give thanks to the Lord for the life of his servant. Notamment, je vais nommer le pasteur principal qui me donne toujours l'occasion, qui nous donne toujours l'occasion de pouvoir exprimer notre ministère. The senior pastor for the opportunity that we have to exercise our ministry here. Que Dieu bénisse son serviteur, qui bénisse son ministère. May God bless his servant and bless his ministry as well. Je voudrais aussi remercier le président de la FATAD qui est toujours là avec maman pour nous soutenir. Le missionnaire Le Monde qui est là avec sa maman pour nous soutenir. I'd like to thank the president of the WAS and his wife, missionary Le Monde. From the WAS as well. Thank you for being here with your wife, always. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. May the Lord bless his servants. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur. I greet you all in the precious name of our Lord. Et nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en direct depuis chez vous. Our brothers that are following us live, greetings to you all. Soyez bénis et soyez sous la grâce du Seigneur. Be blessed and may the grace of the Lord. Que le Seigneur vous touche ce matin. May the Lord reach out to you this morning. Amen. Amen. Alors sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Without further ado, let's get to your Bibles. Je nous invite à lire dans le livre de Job. Reading from the book of Job. Job, le chapitre 1. Job, chapter 1. Nous allons considérer le verset 8 seulement. Reading only verse 8. Job, le chapitre 1, le verset 8 seulement. Job chapter 1 verse 8 only. Nous lisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. There it reads. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Then the Lord said to Satan: Have you considered my servant Job? There is nothing on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Shall we pray for the word of God? Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es digne d'être élevé. Digne, Seigneur, d'être honoré. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin, afin de t'honorer, d'élever ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous visites. Et que, Seigneur, par ce canal, tu puisses passer pour communiquer ta pensée, pour libérer les cœurs, pour visiter quelqu'un. Merci parce que tu es là et que tu vas honorer ton saint nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que je m'en vais nous proposer ce matin The topic of this sermon this morning est intitulé « Dieu peut-il compter sur toi ?» Is can God count on you? Et surtout en temps de confinement. And especially in this lockdown period. Dieu peut-il compter sur toi? Can God count on you? Vous savez, lorsque nous disons compter sur quelqu'un, c'est lui faire confiance. You know, when you count on someone, that means you put the trust in that person. Compter sur quelqu'un, c'est placer toute ta confiance sur la personne. When you trust someone, that means that. When you count on someone, that means you put all your confidence in that person. Compter sur quelqu'un, c'est placer toute ton attention sur lui. You know, when you count on someone, that means you focus all your attention on that very person. Placer toutes tes attentes sur lui.
All your expectations are on that person. Compter sur quelqu'un, counting on someone, c'est aussi être fier de la personne. It's also being proud of that person. Être content de la personne. Being happy about that person. Vous savez, chaque continent, you know, in each continent, chaque pays, in each country, chaque nation, chaque ville, in each nation and city, et même chaque famille, and in every family, ont tout au moins un fils qui fait la fierté de leur cœur. They all have someone they are all proud of. Chaque continent a au moins un fils qui fait la fierté de son cœur. You know, in every continent we have someone they are all proud of in that continent. Et chaque nation a un fils qui fait toujours la fierté de son cœur. There is always a citizen, a son and daughter of a country they all people are all proud of. C'est ainsi que l'Afrique, en parlant de ses fils d'espoir, and Africa talking about the sons of hope, elle n'oublie jamais de Kofi Annan. Never forget Kofi Annan. Qui a été le premier homme noir à diriger l'Organisation des Nations Unies en tant que secrétaire. Who was the first black man to lead the United Nations Organization as a secretary general? La Côte d'Ivoire, en parlant de ses fils d'espoir, you know, Côte d'Ivoire, as the mentioned name of the Sons of Hope, n'oublie jamais de Félix Houphouët-Boigny. Never forget Félix Houphouët-Boigny. C'était le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Who is the father of independence in la RDC, en parlant de ses fils d'espoir. DRC. N'oublie jamais de Patrice Lumumba. We'll never forget to mention Patrice Lumumba. Premier ministre de la République démocratique du Congo. The prime minister, the first prime minister of the Democratic Republic of Congo. C'était aussi l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Is one of the main leaders of independence of the Belgian Congo. Une de la localité de notre pays, le Bénin. Une de la localité de notre pays, le Bénin. En parlant de ses fils d'espoir. Talking about our son of hope, one of the areas in Benin. Je vais parler de Parakou. I would like to mention Parakou. En parlant de ses fils d'espoir, n'oublie jamais de Abdoulaye Issa. Parakou, the city of Parakou, never forget to mention Abdoulaye Issa. C'était un ancien préfet. Who is a former district officer. Et commissaire politique qui a été tragiquement fauché par la mort à l'âge de 33 ans. Who is a political commissioner that died tragically at the age of 33. Peut-être toi qui es là ce matin, tu es un fils d'espoir pour ta famille. Maybe as you listen to me this morning, you're a son and daughter of hope to your family. Oui, c'est ainsi que dans la parole de Dieu. And that's why even in the word of God. Il y a eu un homme qui a fait la fierté du cœur de Dieu. The heart of God was gladdened because of someone in the Bible. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Il y a eu un homme qui a fait la fierté du cœur du Seigneur. You know, God was happy and proud of one of his sons. Et cet homme, c'était Job. This man was Job. Job a fait la fierté du cœur de Dieu. God was proud of Job. Job, qui était-il? Who was Job? Et pourquoi Dieu a-t-il tenté, pourquoi Dieu a-t-il permis que Satan aille tenter Job, le juste? Why is it that God allowed Satan to go and tempt Job, who was a righteous man? Et comment faire la fierté du cœur de Dieu aujourd'hui? And how can we make God become proud of us today? Ce sont là les points que nous allons développer. These are some of the points that I'm going to tackle. Qui était Job? Who was Job? Dans le verset 1, le chapitre 1 de Job. In verse 1, chapter 1 of Job. La Bible nous décrit Job, ce qu'il était. We have the description of what or who Job was. Job était un personnage qui résidait dans le pays d'Uz. Job was in the land of Uz. C'était un homme intègre et droit. He was a blameless and upright man. Job craignait Dieu. He feared God. Et se détournait du mal. And shunned evil. Et il était riche, immensément riche. He was greatly rich. Et il avait une grande famille. And he had a great family. Job faisait la fierté du cœur de Dieu. God was proud of Job. Parce qu'il faisait le bien. Because he was doing good. C'était un homme qui était bon et qui aidait les pauvres. He was a man that was good in helping poor people. Et la Bible va plus loin en disant que. And further the Bible said. Job était considéré par ceux-là qui étaient dans la région.
God, Job was respected by those who were in the region. C'est ainsi qu'il faisait la fierté de cœur de Dieu. That's why God was very proud of Job. Alors dans le récit de Job, as we read the story of Job, la parole de Dieu nous dit qu'un jour Satan est allé au ciel. We read that one day Satan went to heaven. Et il se promenait. And he was roaming about. Il va jusqu'au ciel. He was roaming through et and il up va to même heaven. Là où Dieu tient conseil avec ses son assemblée. And he even went to where God was having a meeting with his et Dieu va lui demander, as-tu remarqué mon serviteur Job? And God put him this question. Did you notice my servant Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Have you considered my servant Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. There is nothing on earth. There is no one like him on earth. Alors Satan va prendre la parole et dit à Dieu. So this is how Satan said to God. Tu penses que Job est fidèle parce que il est fidèle comme ça pour toi, c'est parce que tu l'as béni. Do you think that Job is just faithful for nothing? It's because you bless him. C'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens et des enfants. You give him a lot of property and also children. Alors l'Éternel va permettre à Satan d'aller tenter Job. So the Lord will allow Satan to go and tempt Job. Je voudrais que nous puissions comprendre ici ce matin. I want us to understand this morning. L'Éternel permet Satan d'aller tenter Job. The Lord allows Satan to go and tempt Job. Pourquoi Dieu va-t-il faire comme ça? Why is it that God allows this? Pourquoi l'Éternel si juste va-t-il permettre à Satan qui ne fait rien de bon d'aller tenter son serviteur? Our God who is so upright, how come that he allows Satan to go and tempt Job, knowing that Satan doesn't do anything good? C'est paradoxal. It is paradoxical. On ne comprend pas pourquoi Dieu agit de la sorte. We can't just understand why God allows this. Pourquoi Dieu va-t-il faire comme ça? Why is it that God behave this way? Comment un fidèle qui sert Dieu de tout son cœur? Someone who is faithful to God, serving God in everything. Comment un fidèle qui se sacrifie pour le Seigneur tous les jours? A servant that is making sacrifice for God every day. Comment un fidèle qui est fidèle à Dieu tous les jours? Someone who is faithful to God each and every day. Dieu va-t-il permettre à Satan d'aller tenter ce dernier? How will God allow Satan to go and tempt this very person? Pourquoi Dieu fait ces choses de la sorte? How come that God allows such pourquoi permet-il que le diable aille tenter son serviteur? How come that God allows Satan to go and tempt his servant? Vous savez, quelquefois, c'est comme si Dieu se range du côté des méchants. You know, sometimes that God is on the side of the wicked ones. Il se range du côté des impies et il néglige ses enfants. Sometimes God is on the side or has taken side of the ungodly people and he neglects his own children. Alors, quelquefois, c'est ça. Sometimes this is the case. C'est comme si Dieu néglige ses enfants. It's as if God is neglecting his own children. C'est comme si Dieu oublie ses enfants. It's as if God has forgotten his children. Et il se range du côté des méchants. And he is on the side of the wicked ones. Et il néglige ses enfants. He neglects his own children. Mais je voudrais nous dire ce matin. But I want you to know this morning. Ça c'est l'impression de nous des hommes. This is our own impression. Ce n'est human pas beings. L'intention de Dieu. It is not the intention of God. C'est l'impression des hommes. It is the impression quelquefois c'est comme si Dieu se range du côté des méchants. Sometimes it's as if God is on the side of the wicked one. Il oublie les fidèles. He forgets his loved ones. Il oublie ceux-là qui se chinent pour lui. Those who are working for him. Mais c'est l'intention, c'est pas l'intention de Dieu. This is not the intention of God. C'est l'impression de l'homme, mais c'est pas l'intention de Dieu. It is the impression of people, but not the intention pourquoi of God. Pourquoi Dieu va-t-il agir de la sorte? Why is it that God allows that thing to happen? Voulait-il le mal de son serviteur Job? Does it mean that God wants evil to happen to Job? Je crois non. I think so. I think no. Dieu ne voulait pas le mal de son serviteur. God didn't want any evil for his servant. Et Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. God will never forsake his servant. Le Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs. The Lord will never forget his servant. Quelles que soient les circonstances. No matter the circumstances. Et quel que soit le temps. No matter the time, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. The Lord will never forsake his children. Oui, le Seigneur ne veut pas abandonner Job. Il n'abandonne pas Job. Yes, the Lord will not forsake Job. Et si Dieu l'a fait, and if God did that, c'est qu'il a les raisons pour lesquelles qu'il le pousse à le faire. It means that God has got good reason for doing that. Pourquoi Dieu va-t-il permettre à Satan d'aller tenter Job? Why is it that God will allow Satan to go and tempt Job? Les raisons qui ont poussé à Dieu de permettre à Satan de tenter Job. The reason why God allowed Satan to tempt Job. Et au nombre de ces raisons, and among those reasons, nous avons premièrement,
First of all, c'est parce que Dieu voulait prouver à Satan qu'il a quelqu'un sur la terre qui satisfait ses attentes. Alléluia. God wanted to prove to Satan that he's got someone on the earth that meets his own requirements. Dieu voulait montrer à Satan que lui, il a quelqu'un sur la terre qui satisfait ses attentes. God wanted to show Satan that, well, you know, Satan, I've got someone on earth. He totally fulfilled my requirements. Il a quelqu'un sur la terre qui fait sa fierté. You know, I've got someone I can be proud of on this earth. Autrement dit, Job occupait une place importante dans le cœur de Dieu. In other words, I mean that Job has got a very important position in the heart of God. Job occupait une position très importante dans le cœur de Dieu. He has a very important position in the heart of God. C'est pourquoi il a dit à Satan, that's why he told Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Have you considered my servant Job? Nous voyons ici, Dieu va utiliser, il va employer l'adjectif possessif, mon serviteur. Here we have this possessive adjective, my servant. Mon serviteur. My servant. Autrement dit, in other words, il est à moi. He belongs to me. Il m'appartient, c'est he pour is moi. My property, he belongs to me. As-tu remarqué mon serviteur Job? Have you considered my servant Job? Voyez, Job occupait une position très importante dans le classement de Dieu. You know, God, Job high, very rank, very high in God's priorities. Il était pour Dieu. He was for God. Et il appartenait à Dieu. And he belonged to God. C'est pour cela Satan voulait le détourner de cette position. Il est allé vers le Seigneur. That's why Satan wanted to lead him astray from this position, and he went to see the Lord. Nous voyons ici l'accusateur qui distille son poison comme il avait fait au premier jour de l'humanité. We can see that the accuser is here spreading his poison as he did it on the very first day of mankind. Satan accuse Job devant Dieu. You know, Satan was accusing Job before God. De ce que l'Éternel lui a tout donné. Because he said that God has given everything to Job. Satan accuse Job devant Dieu. He was accusing Job before. He was accusing Job before de ce the que Lord. L'Éternel lui a donné la santé. Because the Lord has given him good health. Satan accuse Job devant Dieu. He was accusing Job before the Lord. De ce que l'Éternel lui a donné les enfants. Because the Lord has blessed him with children. L'Éternel lui a donné les richesses. Because the Lord has blessed him with alors riches. Alors c'était là son motif d'accusation. Can you listen to the reason why he was accusing him? Autrement dit, Satan était jaloux de Job. That means that Satan was jealous of Job. Satan est jaloux de la position de Job. He was jealous of the position of Job. Et frères et sœurs, je voudrais nous dire ce matin, beloved brothers and sisters, this que morning, vous occupez une position très importante devant Dieu. You have a very important position before God. Et à cause de cela, Satan est jaloux. Because of that, Satan is jealous. Satan était jaloux de la position qu'occupait Job. As he was jealous of the position of Job. Et de nos jours, Satan continue pas à être jaloux des enfants de Dieu. Even today, he is jealous of the children of God. À cause de la position que vous occupez devant Dieu. Because of our position before God. Il est jaloux. He is jealous. Il veut vous arracher cette position. He wants to snatch that position. Mais les jaloux vont mourir. But the jealous people will die. Oui, nous avons un adage qui dit les jaloux vont mourir. There is an adage that goes the jealous will die. Et j'écoutais toujours cet adage, les jaloux vont mourir. Those who are jealous will die. I always like this adage. Mais je ne comprenais pas ce que ça veut dire. You know, for a very long time I didn't really understand what it's all about. Et un jour je lisais sur les réseaux. So one day I was reading on a social network. J'ai découvert quelque chose de très important. I discovered something that was very important. Et c'était quoi? La jalousie et la générosité étaient les amis auparavant. You know, jealousy and generosity were friends in the past. C'était les amis. They were friends in the et past. Et pendant qu'ils marchaient un jour, as they were walking together one ils day, ont découvert une poule moribonde qui était maladive. They discover a chicken that was a very sick chicken. Alors, la générosité a dit qu'elle va prendre la poule pour s'occuper d'elle. And generosity is, well, why not take this chicken and take care of the chicken? Alors, la jalousie va lui dire, elle est moribonde, à quoi sert? À quoi cela te profitera? The jealousy will say, well, this chicken is agonizing. What is it worth taking care of it?
Mais la générosité a pris la poule. But generosity took the chicken. Arrivée à la maison, elle s'est entretenue d'elle. When it arrived home, took care of the chicken. La poule a donné les poussins. And the chicken gives. Les poussins ont grandi. And he had more generation. Et c'est ainsi les poulets se sont multipliés dans la maison de générosité. And they have even more in the house of the generosity. Et un jour où la jalousie est revenue dans la maison. One day jealousy came back to the house. De la générosité. Of generosity. Et elle a demandé à la générosité. So she put this question to generosity. À qui appartient tous ces poulets dans la maison? To whom belong all the chicken in the house? La générosité dit c'est pour moi. And generosity said, well, they belong to him. Est-ce que tu te rappelles le jour que nous avons vu une poule maladive? Did you remember the day we saw a hen that was an agonizing c'est hen? C'est elle qui s'est multipliée. It is a hen that gave et those qui a donné chickens, tous ses poulets. Gave all those chickens. Alors la jalousie était prise par sa colère. Elle n'était pas contente. So jealousy was so angry that day. Was elle s'est levée et rentrait. And was going back home. Quand elle a rencontré les étrangers qui venaient d'arriver dans le pays, dans la ville. And met foreigners who have just arrived in the city. Elle a dit aux étrangers. And told these foreigners. Allez-y dans la maison de la générosité. Il a beaucoup de poulets là-bas. Go in a house of generosity. He's got a lot of chickens there. Alors les étrangers sont allés dans la maison de la générosité. So the foreigners went to the house of generosity. Et comme son nom l'indique. As its name stands, la générosité les a bien accueillis avec ses poulets. They were well welcomed by generosity. Et using quand, the chicken. Quand ils ont fini de manger, at the end of the meal, ils avaient les moutons. They have trois salmon, moutons. Goats, three goats. Ils ont dit, mais cet homme qui nous a bien accueillis, this man that has well received us, n'est-il pas bien de lui offrir ces moutons? Is it not good to offer him these goats? Alors ils l'ont donné les moutons. So they gave him these goats. Et quelques temps après, and a moment after, la jalousie est revenue dans la maison de la générosité. Jealousy came back in the house of generosity. Les moutons s'étaient démultipliés. And also the goat also gave more other goats. Et quand elle a entendu les bêlements de moutons, elle a demandé à la générosité, à qui appartient ces moutons? When he heard the noise of the goats, to whom belong all these goats here? Et la générosité va lui dire, te rappelles-tu le jour où tu as envoyé les étrangers dans ma maison? Ce sont eux qui me l'ont donné. And generosity answered, do you remember the day you sent some foreigners to my home? They gave me those goats. La jalousie n'était pas contente. Jealousy was not happy. Elle est allée directement dans la maison du roi. Went straight away to the house of the king. Elle dit au roi, oh king, si tu ne vas pas arracher les moutons de la générosité, bientôt elle va se comparer à toi en tant que roi. If you do not take away those goats from generosity, he's going to compare himself to you just like a king. Alors le roi va envoyer ses messagers d'aller retirer les moutons de la générosité. So the king will send his messengers to go and take away the goat of generosity. Arrivé dans la maison de la générosité. When they arrive in the house of generosity. Et comme son nom l'indique. As his name is so clear. Elle n'a pas discuté. There was no discussion about that. Elle a pris tous les moutons. And they take all the goats. Elle a remis au messager du roi. And give it to the messengers of et the king. Et quand les messagers sont partis. When the messengers left. Le roi demandait, mais quand vous avez arraché, qu'est-ce qu'il a dit? And the king asked this question. When you were taking away the goat, les what did dit, he say? La générosité n'a rien dit. And they replied that it said nothing. Au contraire, elle était fière de donner tout ce qu'elle avait. On the contrary, it was proud of giving all his goats. Le roi était touché par ce message. You know, the king was moved by this message. Il prépare, il lui donna un cheval en plus de la nourriture. And the king gave him a horse. And food. Il dit, prenez, allez-y donner à la générosité. Take this horse and food and give it to generosity. Et quand la nourriture est venue dans la maison de la générosité avec le cheval, when the food was delivered with the horse in the house of the generosity, la générosité a pris le cheval avec toute cette nourriture. Il est allé réunir les gens, les pauvres dans le village. Et il s'est mis à partager la nourriture. Generosity took the horse and the food, went in the village and shared it to all the poor people in the village. Et quand la jalousie a vu la générosité sur le cheval en train de se promener dans les coins du village, elle est allée dire au roi, je te disais,
tu lui as donné le cheval. Maintenant, il est devenu roi. Il se promène dans le village. Now, when jealousy saw generosity on the horse rooming off in the village sharing the food, he went back to the king and said, well, I told you, he's now pretending to be a king on a horse moving everywhere in the village. Et il était en colère quand il a vu la générosité sur le cheval. He was very angry when he saw generosity on the donkey. Mais quelque temps après, and later, le roi du village va mourir. The king of the village died. Et quand il est mort, when the king died, les gens ont regroupé toute la population. All the people have gathered together. Maintenant que le roi est mort, now that the king is dead, qui choisit comme roi dans ce village? Who are we going to choose like a king in this village? Le roi n'est plus. The king is no more. Qui faut-il prendre le roi dans ce village? Who can be enthroned king in the village? Et comme la générosité avait partagé la nourriture à tout le monde, and since generosity shared the food to everyone, alors les gens se sont levés. People rose. Ils ont dit qu'il n'y a personne en dehors de la générosité. C'est lui que vous allez choisir comme roi dans ce village. They said that only generosity can fit in this role as a king in this village. Et quand la jalousie a pris cette nouvelle, and when generosity was when jealousy was informed, elle s'est éclatée, elle est tombée, elle est morte sur place. The jealousy exploded and died. C'est là l'expression, les jaloux vont mourir. So according to this story, that's why we say those who are jealous oui, will die. Oui, Satan est allé vers Dieu yes. à cause de la jalousie. Satan went to God because of jealousy. Il était jaloux de la position de Job. Because he was jealous of the position of Job. Et à cause de cela, il va accuser Job faussement. Because of that, he's going to say false accusation of Job. Il prétendait que Job ne servirait plus l'Éternel s'il était dans l'affliction. He was pretending that, well, you know, God, he would never serve you if he did not have all this property and give it. Il prétendait que Job abandonnerait l'Éternel. Il prétendait que Job va renier son Dieu s'il se trouve dans la souffrance. He pretended that God, a Job, will deny God. He will not worship God if he happened to be in suffering. Mais malheureusement, il s'est trompé la personne. He got it wrong. Hallelujah. Amen. Il s'est trompé la personne. He got it wrong. Malheureusement. Unfortunately. Job n'était pas celui chez qui vous devez accuser injustement. You know, Job was not a person that can be accused falsely. C'est un homme fidèle à Dieu. He was a faithful man to God. Satan a échoué. Satan failed. Alors, frères et sœurs, ce matin, so brothers and sisters, this je morning, voudrais que vous sachiez ceci. I want you to know this. Sachez que Satan est jaloux de votre position. Satan is jealous of your position. Il vous tend le piège à cause de votre position. He's setting traps to you because of your position. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une position très importante. You have a very important position before God as children of God. En tant que chrétien, vous avez une position très importante devant Dieu. As Christian, you have a very important position before God. Mais quelquefois, certains chrétiens oublient cette position. You know, sometimes some Christians do forget this Mais position. Mais le Seigneur considère cette position. But the Lord is considering this position. Le Seigneur est content de votre position avec lui. The Lord is happy because your position with him. Mais ne l'oubliez pas. Don't forget that. Satan n'est pas content. Satan is not happy. C'est pourquoi il va vous tenter. That's why he will tempt you. Et il pense que lorsque vous serez dans des situations difficiles, he thinks that when you'll be in difficult situations, que vous allez abandonner Dieu. You will forsake God. Il pense que dans votre situation, vous allez négliger Dieu. He thinks that in such difficult situation, you will neglect God. Il veut accuser Dieu par votre vie. He wants to accuse God through your life. Et c'est sa manière d'agir. And this is his way of doing things. Il a toujours accusé ceux qui ont des positions élevées devant Dieu. He's always accused those who have high position before God. La Bible dit qu'il est allé dans le jardin d'Eden. The Bible declares that he went in the Garden of Eden. Parce que Adam et Ève occupaient une position importante devant Dieu. Because Adam and Eve had a very high position before God. Il est allé tenter Adam et Ève. He went to tempt Adam and Eve. Malheureusement, ce couple a échoué. Unfortunately, this couple failed. Il est allé vers Jésus. He went to Jesus. Pendant que Jésus a fait
40 jours de jeûne et prière. As Jesus was fasting 40 days and 40 nights. Parce qu'il voyait la position que Jésus occupait. Because he could see the position of Jesus. Jésus avait une position élevée. Jesus had a very high position. Satan est allé vers lui. Satan went to him. Pour le tenter. To tempt him. Mais il a été honni, il a échoué. But he was put to shame. And alors, he failed. Chers frères et sœurs. So dear brothers and sisters. Vous avez une position devant Dieu. You have a good position before God. Et l'Éternel compte votre position. And the Lord is considering your position. N'oubliez pas qu'on est jaloux de quelqu'un qui a une position. Don't forget that people are always jealous of someone who's got a good position. On ne peut jamais être jaloux d'un fou. You cannot be jealous of a madman. Il a quelle position? Whose position has he got? On ne peut jamais être jaloux d'un buveur, d'un soulard. A drunkard. You can never be jealous of a drunkard. Le soulard a quelle position? What position has he got? Si les gens sont jaloux de vous, c'est parce que vous occupez une position. If people are jealous of you, it means that you got a very high position. Sinon, celui qui n'occupe aucune position, personne n'est jaloux contre lui. If you have no position, no one is jealous of you. Et si Satan est contre vous, c'est parce que vous êtes important devant Dieu. If Satan is against you, it means that you're important to God. L'Éternel se réjouit d'avoir trouvé quelque chose sur la terre qui fait sa joie. The Lord is rejoicing because he is glad someone is doing his will on the earth. Quelqu'un qui ne fait pas sa honte. Someone who is not putting the Lord to Mais shame. Combien de chrétiens font la honte du Seigneur aujourd'hui? But how many Christians today are putting the Lord to shame? Il y en a qui se disent chrétiens. Some may call themselves Christians. Mais ils font la honte du Seigneur. But it's shameful to not hold the Il y en a qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Some say they are children of God. Mais qui tombent à tout moment que Satan se dresse devant eux. And they fall anytime they are confronted to Satan. Ils succombent à la tentation. They will fall in the seed into temptation. Ils n'arrivent pas à se tenir un peu, un temps soit peu, they solide. They give way to temptation. They cannot stand mais, for time. Mais pour Job, but for Job, tel n'a pas été le cas. That was not the case. Alors, chers frères et sœurs, so dear brothers and sisters, vivez comme Job. Live like Job. Ne déshonorez jamais votre Dieu. Never dishonor your God. Il compte sur vous et il veut toujours compter sur vous. He counts on you. He always wants to count on you. La deuxième raison qui a poussé à l'Éternel. The second reason à permettre à Satan d'aller tenter Job. Why the Lord allowed Satan to go tempt Job? C'est parce que l'heure était sonnée pour que Dieu honore la foi de Job. Hallelujah. Because that was the time for God to honor the faith of Job. L'heure était arrivée pour que le Seigneur élève la foi, honore la foi de son serviteur. It was time for the Lord to honor the faith of his servant. Vous savez, longtemps, le Seigneur a toujours vu la foi de Job. You know, for a very long time, the Lord could see the faith of Job. Il a toujours admiré la foi de Job. The Lord had always admired the faith of Job. N'a jamais parlé de ça, de cela à quelqu'un. But he's never talked about that to someone. Il a toujours regardé son serviteur. The Lord has always looked at his servant. Il a toujours vu l'engagement de son serviteur. You always see how committed he was. Mais l'Éternel n'a jamais parlé de cela à quelqu'un. But the Lord never mentioned this to anyone. Mais ce jour-là, but on that day, c'était une occasion. It was an opportunity. Ce jour-là, on that day, c'était un honneur, c'était un temps propice. It was an appropriate time pour que l'Éternel honore la foi de son serviteur. The Lord should honor the faith of his servant. Pour que le Seigneur témoigne la foi de son serviteur. For the Lord to testify about the faith of his servant. Devant le diable. Devant le diable. Before the devil. Et devant son assemblée. And before his people. Chers frères et sœurs. Dear brothers and sisters. La Bible déclare dans 1 Samuel le chapitre 2 le verset 30. In 1 Samuel 2:30, the Bible declares, que Dieu honore ceux qui l'honorent. God honors those who honor him. L'Éternel honore ceux qui l'honorent. God honors those who honor him. Et il méprise ceux qui le méprisent. He despises those who despise le him. Le moment est arrivé, l'Éternel veut honorer votre foi. The time has come for the Lord to honor your faith. L'heure a sonné, l'Éternel veut honorer la foi de quelqu'un. The time has come for the Lord to honor the faith of someone. Longtemps Dieu vous voit en train de vous de lutter sur la terre, il vous connaît. As God is seeing you struggling on the earth, he knows you. Longtemps le Seigneur s'est tu en vous observant. For a very long time the Lord has been watching you. Mais l'heure a sonné, Dieu veut honorer votre foi. But this is the time for the Lord to honor your faith. Il veut honorer votre engagement. He wants to honor your commitment. Et même si Dieu ne l'honore pas maintenant,
And even if he does not honor me now, sois persévérant. I want you to persevere. Même si le Seigneur ne te le reconnaît pas maintenant, maybe you are not acknowledged now. Ce qui est sûr, what is sure? Un jour viendra, a day will come, le Seigneur va honorer ta foi. He will surely honor your faith. Et même s'il ne l'honore pas sur la terre, even though he may not do that on the earth, au ciel, le Seigneur honorera ta foi. In heaven, the Lord will honor C'est your faith. C'est pourquoi je voudrais encourager tous les chrétiens. That's why I would like to encourage all the believers. À persévérer. To persevere. Je voudrais encourager tous les chrétiens. I would like to encourage all the Christians. À se tenir bon, à tenir bon. To stand firm. À ne pas lâcher. Not to give le Seigneur way. Honorera la foi de quelqu'un. The Lord will honor the faith of someone. Au ciel, votre foi sera honorée. Your faith will be honored in heaven. Oui, l'heure est arrivée pour que le Seigneur honore la foi de son serviteur. Yes, indeed, the time has come for the Lord to honor the faith of his servant. Qu'il a longtemps observé. The Lord was watching him for a long Il time. Il a longtemps regardé. The Lord was seeing him for a long Mais time. Sans savoir rien dire. He didn't say anything Mais about that. Mais l'heure a sonné pour qu'il dise cela devant le diable. But this is the time for the Lord to say that before the C'est devil. C'est ainsi le Seigneur t'observe. Is watching Il veut you. Voir comment est-ce que tu vas agir. He wants to see how you will act. Il veut voir ton engagement. He would like to see your commitment. Est-ce que tu vas le désobéir? Will you disobey the rule? Ou bien tu vas l'honorer? Or will you honor him? Le Seigneur honore tous ceux qui l'honorent. The Lord will honor all those who honor him. Et apprête-toi à recevoir l'honneur du Seigneur. Prepare yourself to receive the honor of the Lord. Oui, frères et sœurs. Yes, brothers and sisters. Job n'était pas fidèle à cause des bienfaits qu'il recevait de Dieu. Job was not faithful just because of the earthly goods that he received from God. Ce n'était pas à cause des biens matériels. It wasn't because of the property that he got. Jamais. No. Job n'était pas fidèle à Dieu. He was not faithful to God. À cause des enfants que Dieu lui a donné. Because of the children that the Lord has given him. Ce n'était pas à cause de sa richesse. It's not because of his Mais wealth. Job était fidèle à Dieu. But he was faithful to God. Parce qu'il le connaissait. Because he knew God. Il démontrait sa foi envers ce Dieu. He would show his faith vis-à-vis God. Même s'il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a rien. Though he may not have financial resources or nothing, celui qui connaît Dieu va toujours le connaître. If you know God, you always know him. Même si vous n'avez rien à manger, maybe you have no food to eat. Si vous connaissez Dieu, if you know God, vous allez toujours le connaître. You always know him. Même si vous n'avez pas les enfants, you may not have a children. Vous êtes marié mais vous n'avez pas d'enfants. You marry but you have no child. Mais c'est pas à cause des enfants. It's not because of children. Que vous êtes fidèle à Dieu. That you faithful to God. Celui qui est fidèle à Dieu. If you faithful to God. Même si jusque-là il n'y a pas d'enfant, even though you may not have a child, il restera toujours fidèle that à Dieu. Will always be faithful to L'Éternel God. Honore la foi de ceux qui l'honorent. The Lord honors the faith of those who honor him. C'est ainsi dans la parole de Dieu. That's why in the word of God, la Bible déclare que the Bible declares, Noé et sa famille avaient honoré Dieu dans un monde de méchanceté et de calamité. Noah and his family honor God in a world where there is wickedness and calamity that prevail. Dieu les a honorés en les sauvant du déluge. Alléluia. You know, God honored them by saving them from the flooding. Parce qu'ils ont honoré Dieu dans un monde de méchanceté et de calamité. Because they honor God in a world where calamity and also wickedness prevail. Dieu les honore en les sauvant du déluge. God honored them by saving them from the flooding. Lot a honoré Dieu dans une ville de prostitution et d'homosexualité. You know, Lot honored God in a city where there is prostitution and homosexuality. C'était Sodome et Gomorrah. It was Sodom and Gomorrah. Lot a honoré Dieu. Lot honored God. En gardant fidèlement sa foi. By faithfully keeping his faith. Et l'Éternel va honorer Lot. And the Lord will honor Lot. En le délivrant du feu qui a détruit cette ville. By delivering him from the fire that destroyed those cities. Daniel et ses trois amis ont honoré Dieu. Daniel and his three friends honor God. En refusant de se souiller dans un pays idolâtre, Babylone. By refusing to accept the false god of the Babylonians. Dieu les a honorés en les élevant dans ce pays. God honored them by lifting them to a high position in that land. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas se souiller. Because they refused. Et ils ont honoré Dieu.
They refuse to get stained by those filthy things. Dans cette ville de l'idolâtrie. In this city of idolatry. Le Seigneur les a élevés dans cette ville. And the Lord lifted them up in this city. Marie a honoré Dieu en se gardant vierge. Mary honored God by keeping herself as a virgin. Dieu l'a honorée en faisant d'elle la mère du Sauveur du monde. And she is honored by God by becoming the mother, the Savior of this world. C'est comme ça Dieu fait. This is the way God moves. Celui qui l'honore, il honore. If you honor him, si you vous honor honorez him. Dieu dans votre fidélité, if you honor God through your faithfulness, vous gardez toujours la fidélité. You're always faithful. Même si vous habitez dans un milieu de pollution sonore, de pollution et du péché, le Seigneur vous honorera. Even though your social milieu is polluted and there is a sin in but the Lord will always honor you. Marie a gardé sa virginité. You know, Mary kept her virginity. Dieu l'a honorée. And God honored her. En lui faisant mère du Sauveur du monde entier. And she became the mother of the Savior. Alors, of the chers frères et sœurs, so dear brothers and sisters, c'est ainsi le Seigneur veut faire pour toi. This is how the Lord would like to do for you. Dans le milieu où tu te trouves. In the environment you are in. Le Seigneur veut t'honorer. The Lord wants to honor you. Quelle joie, frères et sœurs. What a joy, brothers and sisters. De faire honneur à notre Dieu. To be someone who brings honor quelle to the name joie of God. De faire la fierté de notre Dieu. What an honor to be someone who makes God become proud. Dans le milieu où nous nous trouvons. Us, wherever you we are. Quelle joie de faire la fierté du Sauveur. What a joy because we are the pride of the Savior. En tant qu'enfant de Dieu. As a children of God. Dieu ne t'abandonnera pas. God will never forsake si you. Si tu ne l'abandonnes pas. If you don't forsake Dieu him. Ne t'abandonnera pas. He will never forsake si you. Si tu ne l'abandonnes if pas. If you do not forsake Dieu him. Dieu ne t'abandonnera pas. He will not forsake you. Si tu persévères avec lui. If you persevere with Dieu him. Ne t'abandonnera pas. He will not forsake you. Il t'honorera. He will rather honor you. Un moment viendra. A time will come. Le Seigneur élèvera ta foi. The Lord will lift up your le faith. Le Seigneur témoignera de toi devant he will Satan. He testify about you before devant Satan. Devant le monde entier. Before the whole world. As-tu remarqué mon serviteur? Have you considered my persévère, servant? Mon frère, ma soeur. Brothers and sisters. Comment faire la fierté du cœur de Dieu? How can we really gladden the heart of God? Nous sommes au dernier point. This is the last. Comment point. Faire la fierté du cœur de Dieu? How can we become the pride of God? Alors pour faire la fierté de Dieu, to become the pride of God, il te faut avoir un certain nombre de caractères. There are a few characteristics that you need to ou have. Il te faut remplir un certain nombre de critères. You have to meet a few requirements. Au nombre de cela, and among them, il faut être intègre et droit. You must be blameless and upright. L'intégrité et la droiture. Integrity and uprightness. L'intégrité et la droiture sont deux concepts qui semblent vouloir dire la même chose dans ce passage. You know, in this passage, integrity and also being upright seems to say the same thing. Être intègre, c'est être sans reproche. Being blameless is that you are without any blame. Être sans reproche. Without any blame. Être droit. Being upright, c'est agir dans la justice. Is doing things in the righteous way. Et en toute honnêteté. And in with full honesty. Agir dans la justice. Doing things with righteousness. Même dans ton service. Even in your workplace. Agir dans la justice. Doing things in a righteous way. Même dans ton marché. Even at the marketplace. Même à la maison. Even at home. Agir dans la justice. Doing things. C'est ça, righteous way. Être intègre et droit. This is being blameless and upright. Être honnête. Being honest. Et même si les gens cherchent à vous accuser. Though people may try to accuse you. Qui ne trouve rien de vous accuser. They may find nothing to accuse ça, you of. C'est ça, frères et sœurs. Yes, this is hot. Agissons toujours dans la justice. It is. Let's do things soyons in the righteous toujours way. Honnêtes envers notre Dieu. Let's be honest to our God. Et envers nous-mêmes. And to ourselves. Il faut que même si les gens vous méprisent. People may despise you. Même si les gens ne vous considèrent pas. People may not consider you. Mais dans la justice. But even that. Qu'on vous considère. May you be dans l'intégrité. May you be known as someone who is blameless and upright and known for that. Qu'on dise celui-ci. Do you know him? Il est intègre. He is blameless. Au moins dans son domaine. In his field of il activity. Est fidèle. In this area, il he est is intègre. Faithful. He is blameless. Il est juste.
He is righteous. Il n'aime pas l'injustice. He doesn't like C'est unrighteousness. C'est ça, frères et sœurs. Brothers and sisters. On n'a pas besoin de diplôme universitaire avant d'être intègre et droit. You don't need to have a university degree before being upright and blameless. Non. No. Tout le monde peut être intègre. Anyone can Dieu. Be blameless and upright. Le deuxième caractère. The second characteristic. Il faut avoir la crainte de Dieu. You need to have the fear of the Lord. La Bible dit craignant Dieu. Fear God. Job était intègre et droit. Craignant Dieu. Job was blameless and upright, fearing God. Il te faut la crainte de Dieu. You need to have the fear of God. Que ce soit à la maison. At home. Au service. Your workplace. En voyage. As you travel. Crains Dieu. Fear God. Tu ne le crains pas l'autre parce que tu es dans sa maison. You don't fear God because you come to the house of God. Même en dehors de sa maison. Outside the house of God. Tu dois continuer par le craindre. You need to continue fearing Him. Crains Dieu là où tu te trouves. Wherever you are, fear God. On ne craint pas quelqu'un en sa présence. We do not fear someone in the presence of that person. Si vous le craignez réellement. If you really fear et that que person, ce n'est pas de l'hypocrisie, and if it is not hypocrisy, vous allez continuer par le craindre. You will continue fearing that person. Même en dehors de sa maison, de sa présence. Even though the person may not be around. Frères et sœurs, nous devons craindre Dieu. Brothers and sisters, we need to fear God. D'aucuns pensent que la crainte de Dieu est un concept qui semble être démodé en ce moment. You know, some people think that the concept of fearing God is somehow outmoded nowadays. Et qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de craindre Dieu. That we don't need to fear God anymore. C'est faux, frères et sœurs. It is not true, it's false. Si tu crains Dieu, Dieu l'honore. If you fear God, God will honor et you. Et Dieu aime ceux qui le craignent. And God loves those who fear Him. Dieu bénit toujours ceux qui le craignent. God will always bless those who fear Him. La troisième chose. And the third thing, il faut se détourner de tout le mal. We need to shun evil. Toujours dans le verset 8. Verse 8. La Bible dit il se détournait de tout le mal. We read that he shunned evil. Se détourner du mal. Shunning evil. C'est s'efforcer à éviter tout ce que Dieu désapprouve. Is trying to avoid anything that God disapproves. S'efforcer tous les jours. Trying each and every day. À éviter tout ce que Dieu désapprouve. To avoid anything that God disapproves. Ce que Dieu n'aime pas. What God does not like. Le péché. Sin. Il faut éviter le péché. Avoid sin. Job évitait le péché. Job was someone who avoided même sin. Le péché de ses enfants, il évitait. Even the sin of his children, he used il to avoid faut them. Éviter le mal. You must shun evil. Dans ta maison. In your home. Évite le mal. Avoid evil. Dans ton service. In your workplace. Évite de commettre le mal. Don't commit anything evil. C'est pas parce que maintenant on ne vient pas à l'église. It's not because now we do not come to church anymore. Que c'est une occasion de commettre le mal. That it is an opportunity to commit un enfant de evil Dieu. Act. Évite toujours le mal. A child of God will always même avoid dans, evil. Même dans la pire des temps. Even in the worst case scenario, il reste toujours fidèle à Dieu. You're always faithful to Alors, God. Voilà les caractères qu'il faut avoir, chers frères et sœurs. So these are the characteristics that you need to C'est develop. C'est ce caractère brothers. Qu'avait Job. These are the characteristics that Job il had. Il était intègre et droit. He was blameless and upright. Craignant Dieu. Fearing God. Et se détournant du mal. And shunning evil. Ce sont ces caractères qui ont poussé l'Éternel à honorer la foi de Job. These are the characteristics that led or prompted the Lord to honor the faith of Job. Est-ce que vous avez ces caractères dans Do you have all those characteristics? Pose-toi la question. Ask yourself this question. Est-ce que je suis intègre? Am I blameless? Est-ce que je crains Dieu? Do I fear God? Est-ce que je fuis, je me détourne du mal? Do I shun evil? Tu auras la question, la réponse à trouver. You will have the answer to that question. Je voudrais terminer ce matin. I'd like to conclude this morning. En disant ceci. By saying this. Les temps ont changé, c'est vrai. Times have changed, of course. Les générations se sont succédées, c'est vrai. There are generations succeeding generations. Mais yes. Dieu reste toujours le même jusqu'à présent. Alléluia. God is the same to till now. Les générations ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Generations are changing, but God has not changed. Et comme hier. Like yesterday. Il recherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes qui feront sa fierté. He's seeking men and women he can be proud of.
Il cherche encore les hommes et les femmes sur qui il peut compter. He's seeking men and women he can count on. Et si tu es quelqu'un qui faisait la fierté de Dieu, maybe in the past he used to be the pride of God. Continue par l'être, frères et sœurs. Continue being that, brothers and sisters. Si tu faisais la joie de ton maître, maybe you used to gladden the heart of your master. Continue par le faire. Continue doing that. Continue par l'être. Continue being that. Mais si tu es quelqu'un, but if you're someone qui ne fait pas la joie du maître, and the master is never happy of you, tu sais pourquoi tu ne fais pas la joie du maître. You know why the master is not glad tu sais or happy ce qui t'empêche d'être la joie de ton maître. You know what prevents you from being that. Et c'est l'occasion de te changer. And this is the opportunity to c'est change. C'est l'occasion d'aller devant le Seigneur. Opportunity to go before pour demander au Seigneur d'enlever l'obstacle. To take away d'enlever le péché. To take away d'enlever toute souillure sur toi. To take away sinon, all si tu continues pas à mépriser Dieu de la sorte, but if you continue despising God in this way, il te méprisera. He will despise. Mais si tu l'honores, but if you honor him, il t'honore pour toujours. He will honor you forever. Nous allons ce matin prier le Seigneur ce matin. This morning? Hallelujah. Nous allons prier ce matin le Seigneur. Shall we pray this morning? Dieu peut-il compter sur toi? Can God count on you? Même en temps de confinement. Even in this lockdown period. Est-ce que tu peux continuer par faire la fierté de cœur de Dieu? Can you continue being the pride of God? Est-ce que Dieu peut être content de toi à tout moment? Can God be happy with you each and every time? Si Dieu ne peut pas être fier de toi, if God cannot be proud of you, c'est qu'il y a quelque chose, il y a problème. That means that there is a problem somewhere. Et que tu dois te changer. And you need to change. Tu dois te rattraper. You need to catch up. Tu dois te convertir. You need to convert. Pour que Dieu fasse de toi un homme de fierté. For God to make you, for God to cause you to nous become prier, mais someone he's proud avant of. Nous allons chanter ce cœur. Let's sing this song and pray. Poursuivons notre course avec persévérance pour que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus. À Jésus, regardons à Jésus, courons dans le vainqueur. Vous pouvez chanter avec nous, même dans votre regardons salon. Jésus, fixons nos regards sur Jésus. Le vainqueur. Il est infaillible, même dans les temps difficiles. En Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus. Couronnons le vainqueur. Poursuivons notre course avec persévérance pour que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, chers frères et sœurs. Il est toujours le même. Regardons-le ce matin. Alléluia. Tu vas commencer par prier le Seigneur. Let's start praying now. Tu vas demander au Seigneur. Ask the Lord de te délivrer. To deliver you. De toute occasion que Satan any opportunity that a préparé pour te faire échouer, pour t'ôter ta position que tu occupes devant Dieu. For you to fall from your position you have before. N'oublie pas que Satan prépare toujours un piège pour vous ôter de votre position devant Dieu. Don't forget that he always prepares a trap to take you away from your position before God. Dis-toi, Seigneur, pray, délivre-moi des pièges de Satan. Deliver me from Satan. Sauve-moi des pièges de Satan. Save me from prie au nom de Jésus. Satan. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Père et Dieu, nous sommes à toi ce matin. Jésus de Nazareth, nous te supplions ce matin, notre Père et Dieu. Nous voulons que tu nous délivres, que tu délivres quelqu'un ce matin qui est en proie, qui est devant la tentation du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton peuple soit libéré. Au nom de Jésus, que tu libères quelqu'un. Au nom de Jésus, que Satan se déchaîne pour faire chuter, pour faire chuter, pour faire piéger. Seigneur, sauve-le ce matin. Sauve ton église. Sauve ton église.
Sauve tes enfants, Seigneur. Sauve tes enfants, Jésus. Sauve ton peuple ce matin, Seigneur, des pièges et des tentations du diable. Nous voulons, Seigneur, garder toujours notre position avec toi. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous ce matin. Au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous allons encore prier. Nous allons dire au Seigneur. Let's continue praying. Seigneur, tu peux compter sur moi. Lord, you can count on me. Tu peux compter sur moi. You can count on me, oh Lord. Même si tout le monde t'abandonne. Though even though everyone may tu peux compter forsake sur moi, Seigneur. I stand here, you même can count pendant on ce moment de confinement. Even in this lockdown time, tu peux compter sur moi. You can count on me, oh comme God. Tu as compté sur Job. Like you counted prie on Job. Au nom de Jésus de Nazareth. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Hallelujah. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous savons que tu continues par lancer cette recherche. Tu cherches les hommes, tu cherches les femmes, tu cherches les jeunes qui feront ta fierté, sur qui compter. Seigneur, c'est pourquoi ce matin nous te disons, tu peux compter sur moi, Seigneur. Tu peux compter sur moi, Jésus. Tu peux compter sur moi, Seigneur, parce que je suis prêt à m'engager. Je suis prêt, Seigneur, à te servir. Je suis prêt, Seigneur, à vivre rien que pour toi seul, avec toi seul, en fixant mes regards sur toi seul. Seigneur, soutiens-nous ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que, Seigneur, tu renouvelles la foi de ton peuple. Tu renouvelles la foi de tes enfants. Tu honores leur assommée que tu honores la foi de ton peuple. Tu vas honorer la foi de ton peuple. Merci parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Merci, Jésus. There is no other way to be happy in Jesus.